Et ensemble, nous connaissons pile en pile en pile en pile monde qui t'a aimé et interview ça parce que j'en voulais. Mais nous pas faire ça nous capables, ni moi-même, ni ambassadeur, nous, qui j'en ai satisfait. Comment y est? Comme là, nous y est, nous avons suivi l'événement prêt et très content d'être là avec vous tout le monde qui a suivi notre petit palais ici là. Très content d'être là avec vous. Pour qui ça, Américain a cherché Africain pour aider Haïti dans le problème lié, alors que Américain gagne des vices, yo gagne ancien mais wins, yo gen toute force nécessaire pour t'aider nous et pour que ça y aille juste en Afrique. Nous connaissons que pour nous Américains ça y est, perspective est que nous réagissons à la déclaration faite par les Nations Unies, Nations Unies 26-99 si je rappelle bien, qui a appelé à monde les partenaires, les pays amis d'Haïti. Pour assister dans les circonstances ça qui demandent une assistance internationale. Alors, nous voulons jouer un rôle unilatéral, nous voulons participer à votre communauté internationale. Nous, pas simplement nous, mais plusieurs pays amis ont discuté entre eux à voir qui était prêt pour prendre le rôle de leadership. Et nous sommes très contents que le Kenya a décidé qu'elle voulait faire ça. Outaouais, dans circonstances que la semaine dernière, il y avait le cours, pas le cours suprême, mais un cours dans le niveau intermédiaire, dans le système judiciaire kenyan qui a bloqué progrès, ça. Immédiatement, le gouvernement kenyan l'était dit qu'il pourrait faire demande à ce que décision soit adressée. Et n'a pas suivi ça, n'a pas gagné confiance. Il y a le président kenyan avant, il y a 2 jours, qui nous a signalé qu'en public, qu'ils pensent bien que les préparations se procèdent. Et alors, nous voulons voir une assistance internationale, des grands amis. Évidemment, nous sommes plus grands amis, mais plusieurs amis d'Haïti pour faire effort ça. Parce que nous ne voulons pas jouer un rôle unilatéral. Nous voulons être partie d'un comité international qui fait réponse à la demande nécessaire et légitime de peuple haïtien d'avoir une assistance sur la sécurité. Mais ambassadeur, nous faisons expérience déjà, nous gagnons en pile mission qui vient en Haïti déjà, dans le cadre de l'ONU, et nous pas sorti à grand chose. Gagnons qui fait 1 an, gagnons qui fait plus de temps que ça, on n'a pas marché pour que ça nous voulait son mission internationale, alors que gagnons mission qui est plus facile et plus rapide pour nous régler le problème. Pour que ça nous fait choix. Mission tout le temps, 200, plus que 200 millions de dollars américains pour dépenser alors que la police nationale n'a pas besoin de ça pour mettre sécurité en Haïti. Nous avons cru que la situation lui demandait une réponse différente que passée. Nous avons travaillé, nous, le gouvernement américain et autres partenaires, pour assurer que ça sera différent que la mission SAIO nous était voué dans le passé. Et alors, nous avons dit à vous-même, et Moon Cap nous coûtait, je dirais qu'en effet, nous travaillons directement avec les différents partenaires pour assurer réussite de mission ça, pour éviter problème ça y a que nous t'ayons dans le passé, dans la mission qui t'est présentée, que tout le monde est bien au courant. Et c'est pour ça qu'ils ont changé, les Nations Unies ont décidé de faire quelque chose différent, une mission différente que ce que nous t'ayons dans le passé. L'administration courante des États-Unis ne veut pas faire des choses unilatéralement, nous veulent faire en partenariat, comme on a nous t'aoué avec situation en Ukraine, comme nous t'aoué en plusieurs situations autour du monde, que nous ne voulons pas jouer un rôle unilatéral. Nous voulons travailler avec partenaires SAIO et en particulier avec peuple haïtien pour avoir une solution haïtienne à travers les élections, bien sûr, mais avec la sécurité que mission sécurité pourrait fournir avec la PNH. Mais Kenya participé au Congo, il a participé dans l'autre pays qui est en Afrique qui a un problème. Il n'a pas réussi à porter rien. Et pays ça a demandé pour Kenya aller, pour que ça nous croit qu'en Haïti,
l'ICAFON, bagay, pour que ça nous croit ça. MK dit que nous t'es ôté, c'est pas un secret, nous t'es gagné une délégation kenyan qui t'est venue ici, que nous t'es montré réalité ça, et ils ont eu des entretiens avec le gouvernement haïtien, aussi bien que la PNH, avec les autres acteurs, et ils ont pris décision que Yokwe, que c'est dans le contexte ça que Yoka fait différence. Yoka a une pile expérience, comme vous avez signalé. Je ne peux pas qualifier ça, comme vous le dites, que c'est jamais réussi. Je ne crois pas que ça c'est vrai. Mais en effet, la situation est que Kenya, Yoka, mais c'est pas simplement Kenya. C'est, bien sûr, il y a aussi Antigua, Barbade, Bermuda, la France, aussi bien que la Jamaïque qui ont dit, et il y en a des autres pays qui vont assister aussi bien que nous-mêmes. Alors, ce n'est pas simplement Kenya qui va assister, et nous sommes très conscients. Et MK dit que les Kenyans eux-mêmes sont très conscients des problèmes qu'on a vus dans le passé. Et mais ambassadeur, ni moi ni vous, parce que vous, c'est un diplomate de carrière, où on est, j'en vais passer dans mon genre. Je dis, nous toutes clés que police nationale, l'armée d'Haïti, haïtien, si on joue 200 millions de dollars américains que les Nations Unies ont mobilisé, il y a qu'à mettre sécurité. Parce que si on a Haïti, on vit, si on prend la caille, par exemple, autant de balles captées. Ou donc, on croit que Haïti n'a pas qu'à faire pour contenir, c'est pour nous aller chercher en Afrique, aller chercher des pays. Pour que ça me dise des pays, je n'ai pas de problème avec eux. Mais on pense que c'est eux pour aller chercher pour mettre sécurité à Haïti. Non, pas quoi ça et ou pas quoi ça tout. Pas dit, l'intention de résolution et l'intention de MSS, là, ce n'est pas une question de remplacer la PNH ou de faire le travail des Haïtiens. C'est pour assister. C'est pour assister la PNH et les Haïtiens à régler leurs affaires, donner la sécurité nécessaire pour qu'on gagne la place et la circonstance pour avoir les élections libres et légitimes qui pourront donner enfin la transition finale qu'on a besoin pour Haïti, pour qu'elle puisse avancer, pour qu'on ait une Haïti pour les Haïtiens, construite par les Haïtiens, avec des réussites à l'Haïtien. À maintes reprises dans le passé, on a eu des interventions, des assistances internationales qui n'ont pas fait ça. Et ce n'est pas ça qu'on veut faire cette fois-ci. Cette fois-ci, on veut être certain que nous gagnons une situation qui donne une solution à la Haïtienne, avec le soutien de la communauté internationale. Comme j'ai dit au commencement, on ne veut pas voir quelque chose d'unilatéral parce que ça n'a jamais réussi dans le passé. C'est pour ça qu'on veut travailler avec Haïtien Yo, avec la PNH, pour donner la sécurité qui donnera le contexte pour avoir des élections nécessaires pour changer, avancer, comme l'administration courante à maintes reprises a dit qu'elle veut faire seulement faire la transition envers un gouvernement élu. Que nous, on est d'accord, il faut avoir des élections et je prends l'opportunité pour dire que tous les acteurs, soit politiques, soit économiques, soit la société civile, qu'ils prennent acte et ils se coopèrent pour arriver à une solution politique qui avance donc, les élections. Donc, parce que tous les partenaires vont pouvoir s'arrêter. Donc, ça veut dire Américains, l'administration américaine, Département d'État, nous croyons que et Ariel Henry a fait ça audio là. Vous pensez que c'est lui qui a fait? Nous, non, bon, nous pas un candidat là-dedans, nous pas un côté que prise. On a le côté qu'on veut voir avancer des élections avec les différents acteurs qui sont sur place, y compris le gouvernement sur place sans doute, mais on n'a pas de côté là-dedans. C'est-à-dire, là, ce côté, pour nous, c'est l'avenir de Haïti. Et l'avenir de Haïti, c'est à travers des élections dans mais la sécurité nationale que nous allons essayer de fournir. Et je ne vois pas la réalité, c'est que l'appel qui est là et le besoin qui est là. C'est manifeste que la réalité ne se règle pas d'elle-même. Bon, me pose une question directe. Qu'est-ce que fait Américain remet Haïti comme ça? Nous croyons que, en effet, nous avons une relation avec Haïti depuis son naissance. On a une grande partie des Haïtiens, et c'est, dans ma carrière de 36 ans, j'ai jamais vu de pareil bagaille. Situation est que chaque Haïtien, il a des relations aux États-Unis. Ils ont des proximités aux États-Unis qui est très, très profond. Et pour nous, la réalité, c'est que Haïti est capable d'être un grand partenaire très fiable dans la sous-région pour fournir une coopération valable pour avoir un avenir
propice pour tous les deux pays d'avoir une Haïti à laquelle on Qui pourrait... ça ne capote pour vous? Qui ça ne capote pour les États-Unis? Ça ne capote pour les États-Unis parce que jodi a, les États-Unis apprennent jeune nous qui est allé dans le programme Biden. Les États-Unis, yo di, parce que moi-même pas vérifié, les États-Unis, c'est lui-même qui gagne contrôle pétrole nous, qui gagne X, Y, Z. Mais moi-même, je bien mais qu'on est qui ça États-Unis joint en Haïti que le Kembe, la Russie pas qu'à venir, la Chine pas qu'à venir, personne pas qu'à venir, parce que c'est comme si c'est pour nous qu'à là. Les États-Unis veulent avoir un système stable et économiquement propice pour tous. Et alors, dans ce contexte, avoir un état de droit, la transparence, la bonne gouvernance en Haïti pour que les Haïtiens aient une Haïti. Les Haïtiens, ils aiment bien leur pays, c'est évident. C'est évident dans toutes mes expériences avec les Haïtiens de diaspora, aussi bien qu'ici. Et alors, pour nous, ce que c'est clé, c'est de pouvoir créer une Haïti dans un contexte créé avec la communauté internationale comme assistant, dans lequel les Haïtiens peuvent réussir pour eux-mêmes. Ils ont montré dans la diaspora, les Haïtiens, qu'ils sont très capables de pouvoir créer un monde propice et positif pour eux-mêmes. Et qu'ils puissent le faire ici en Haïti, c'est un objectif américain depuis très longtemps. Ce n'est pas simplement avec Haïti, c'est à travers le monde que nous espérons faire ça depuis la Deuxième Guerre mondiale, à pouvoir fournir un environnement dans lequel les pays peuvent habiter ensemble à le bénéfice de tous. Alors pour nous, vous demandez quels seront les bénéfices pour les États-Unis? Ce n'est pas à l'instant. Nous, on dépense des sommes très, très grandes sur le plan humanitaire, le plan santé, maintenant la sécurité et d'autres que nous fournissons et nous voulons faire comme grand partenaire et ami d'Haïti. J'aimerais bien avoir une Haïti qui pourrait être en train d'assister de tels problèmes dans des autres zones. Une Haïti qui pourrait être une partenaire sur le plan international à avancer des intérêts communs. Pour ça, c'est le bagage que nous voulons voir et c'est pour ça que nous espérons voir des élections et la stabilité que nous pensons que la MSS, avec notre soutien et des autres partenaires, peut donner pour que Haïti pourrait être une meilleure lieu pour les Haïtiens, ensemble. Monsieur l'ambassadeur, on a l'hôpital général, le plus grand hôpital du pays. Ça fait 14 ans. L'hôpital est à terre. Bandi prend pays à nommer nous. Et dans baba américain yo même pour aller moi-même moi sorti dans l'ambassade américaine pour mal renouveler visa moi mais son côté qui vide alors que plus gros ambassade qui gagne plus l'argent qui dépensé la caille nous maintenant moi connais gain Navy SEALs gain ancien Marines gain bagay américain café. Pour compte yo, yo a besoin l'autre monde. Pour compte yo, sans Canada, sans la France, sans aucun autre pays, yo ka régler question. Bon, pour qui ça nous va régler? À mon point de vue et le point de vue de l'administration américaine, et je crois que pour les, ceux qui sont objectifs dans cette discussion, c'est qu'il faut avoir une solution haïtienne. Une solution américaine unilatérale ne va jamais tenir d'elle-même. Il faut avoir une solution qui vraiment incorpore les différents acteurs haïtiens à travers le pays pour qu'il y ait un Haïti pour les Haïtiens qui réussissent. Et c'est ça notre objectif, mais je crois, pour l'unité internationale. Et on finisse le temps, mais je veux simplement dire qu'en fin de compte, pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir revenir à un Haïti qui peut soutenir d'elle-même les nécessités pour son peuple. Pour le contrat, en quelque sorte, un contrat social qui fait du sens. Mais ambassadeur, regardez, vous êtes où sont les guitres correct dans les médias en Haïti. Il faut me dire ça tout. Pour tout le monde qui a suivi et qui a attendu nous. Mais, on y a, la police pas qu'à utiliser les armes, les saisies dans les bandits. La police pas qu'à utiliser l'armée parce que les États-Unis d'Amérique pas voulu. Qui compte au besoin à Haïti pour contenir là, pour le faire travailler là? C'est pays ou pas voulu. Ils ont pas voulu que nous prenions les bagages en main. Pour acheter des armes, pour que ça paye ou mettez en bagou sur Haïti. Pour que ça mette en bagou sur Haïti. En fin de compte, moi, en effet, la position des États-Unis, c'est que nous voulons que les Haïtiens peuvent avancer de eux-mêmes avec le soutien, l'épaulement de la communauté internationale. Ça.
Et alors, nous pourrons continuer avec les grandes assistances qu'on a fait depuis longtemps. Je connais bien que la... Moi, j'étais ici au commencement de ma carrière, 90-11. Je sais qu'Haïti peut être beaucoup différent, qu'Haïti a des raisons pour lesquelles elle pourrait avancer, moi, je crois, avec les conditions correctes, avancer, être un partenaire dans le plan international, qui pourrait vraiment être une force positive dans la sub-région, qu'elle a, comme elle a été dans son histoire, une force positive sur le plan historique et global. Alors, cette sorte de rôle, c'est quelque chose qu'Haïti a eu. Je crois qu'Haïti peut l'avoir dans l'avenir. Et nous, on continue notre travail ici à l'ambassade et avec le gouvernement pour faciliter ça, pas pour contrôler ça, pas pour dicter ça, pour être là comme grand ami à assister un pays qui a besoin d'assistance à l'instant pour qu'elle sorte de ça pour la dernière transition, à mon point de vue. Et avec ça, m'a demandé au pardon, mais il y a une nécessité de bouger. Mais on Pas pourrait de en changer problème. encore dans l'avenir. Nous qu'a fait plus de temps, on le. Moi, bien content que moi été ensemble avec vous. Mais on soutenir Ariel toujours. Ce n'est pas un soutien aérien, c'est le peuple haïtien que nous soutenons. Nous, pas de candidat là-dedans. C'est une question de progresser avec les différents acteurs sur place, à avancer, à avoir des élections. Je souligne, si je comprends bien, à maintes reprises, Ariel a dit que lui, il ne cherche pas à rester au pouvoir. Il ne veut pas parcourir une élection, qu'il y a des élections, que les Haïtiens choisissent leur avenir. C'est comme ça que les choses doivent avancer. C'est comme ça que la communauté internationale et les Américains veulent soutenir. C'est comme ça. Alors. Kembe fem. Kembe fem. Kreol ou Qu'un n'est pas bon. jamais lagué. Kreol ou Merci. bon. Kreol la bon. Kembe M'apaiser, m'apaiser, fem. Makouma. Merci en plus. D'accord. Ok, Bonne Kembe journée. Merci. fem. Bye bye.